Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payen et je suis avec vous en direct du Adobe Live, behance.net/live/fr/Adobe Live. D'ailleurs, si vous êtes là juste maintenant pour vous épargner un clic. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mathieu Métivet. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, j'ai l'impression qu'on t'entend bien, j'ai l'impression qu'on te reçoit bien, j'ai pas encore eu de message de panique en mode « mais on l'entend pas, où est-il, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, c'est que tout se passe bien. C'est une bonne chose. Mathieu, si tu devais te définir en quelques mots, qui es-tu ? Je m'appelle Mathieu Métivet, j'ai 28 ans, je suis photographe professionnel depuis maintenant 6 ans. Et je suis spécialisé dans le sport, l'événementiel et je fais aussi de la photo de paysage. Bah écoute, c'est hyper précis, c'est très bien. Moi, ça me va bien parce que ça correspond à peu près à ce que j'avais en tête. Je vais faire un petit bonjour pour tous les gens qui sont avec nous donc sur le chat de la chaîne YouTube, la team 74, Delphine, Christophe, Jean-Maurice, Thierry, Daniel, Mistral et Stéphane. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est, comme vous commencez à en avoir l'habitude, sur Behance. Donc, si vous voulez nous retrouver, si vous voulez nous suivre, jetez plutôt un œil sur la page behance.net/live/fr, c'est là-dessus que vous allez pouvoir tenir la conversation, le chat, et moi de mon côté j'aurai beaucoup plus de facilité à suivre vos commentaires et du coup à reprendre vos questions à la volée pour qu'on puisse échanger un peu plus facilement avec Mathieu, et je pense que vous apprécierez, qu'on appréciera tous ça avec grand plaisir. Du coup, de l'autre côté, bonjour à Christian, Alexandre, Stéphane, Yves et Marie, et oui, de temps en temps, j'ai des gens qui sont là sur les deux chats. C'est ça qui est marrant. Les gens sont hyper au taquet. Alors Mathieu, revenons-en à non pas à nos moutons, mais à toi, à nos photos. Tu me dis, tu es photographe sur de l'événementiel et du sport. Est-ce que c'est un truc qui est nouveau pour toi? Est-ce que c'est un vieux truc? Est-ce que c'est de quand ça date tout ça? Depuis le début, en fait, dès que j'ai commencé la photographie, de base, déjà, j'ai été bercé dans le sport parce que ma mère est prof de sport. J'ai toujours fait énormément de sports différents. Et c'est vrai que quand j'ai fait mes études de photo, j'ai fait 2 ans à l'école de l'ESMA à Montpellier et je cherchais un peu vers où je voulais aller. Et à la fin de ces 2 années, je me suis dit pourquoi pas rallier l'une de mes passions qui est le sport et le métier de photographe, donc je me suis orienté plus là-dessus et l'événementiel sportif est arrivé par la suite parce que j'aurais pu aussi faire juste des shootings de sport, on va dire classique, mais l'événementiel m'a attiré. On a eu l'opportunité du coup avec The Agency qui est mon collectif, de faire un FIS. Ça faisait des années que j'en rêvais. Et c'est vrai que j'ai accroché directement avec ce rythme d'événementiel qui est vraiment intéressant. Carrément. Je vais peut-être faire un truc, c'est que je vais peut-être partager ton écran. Comme ça, les gens vont voir un petit peu, vont essayer de comprendre qui tu es de manière visuelle. Bouge pas, j'y suis. On y est tous les deux. Voilà, tu es à côté de moi, il y a toujours le son, c'est parfait. Alors ça du coup, c'est ton site perso, exactement, pro, les deux. Ouais, c'est mon site pro. Je mets quelques boulots perso dessus, mais ça reste quand même l'essentiel, c'est du professionnel. Alors du coup, je pense que ça va parler un petit peu plus au public. Petite question d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui connaissent et qui connaissaient déjà Mathieu, qui connaissaient déjà son boulot, qui étaient déjà allés sur le portfolio? Est-ce qu'on a dans l'assistance des gens qui connaissent le FIS, des gens qui sont dans la photo de sport ou autre? N'hésitez pas à nous le dire, ça permet un petit peu de comprendre. Pour l'instant, on a eu beaucoup de bonjour, mais voilà, si jamais il y a du plus perso, on sait prendre aussi. Donc, photo de sport, photo gros événement, au milieu de la foule, réussir à trouver le bon angle, le bon moment, réussir à choper l'instant. Ça représente beaucoup de... Ça représente combien de temps un événement comme le FIS? Alors, ça va dépendre des dates, mais le FIS Montpellier, qui est le plus gros FIS de la tournée mondiale, c'est sur, si je dis pas de bêtises, 6 jours. D'accord. J'ai un doute, 6 ou 7 jours. D'accord, ouais. Enfin, c'est une bonne durée quand même, c'est pas...
C'est ça, c'est une bonne durée. Après, sur les FIS où on part, par exemple, au Japon ou en Chine, l'événement lui-même va durer 3 jours, maximum 4, et les rythmes sont beaucoup moins soutenus parce qu'à Montpellier, il y a beaucoup plus de sports présents et c'est vrai que c'est un très bon rythme. D'ailleurs, sur les FIS, comme le Japon, la Chine, on est généralement 3 photographes. Sur un FIS Montpellier, on est obligé d'agrandir notre équipe à 6 voire 7 photographes pour pouvoir couvrir toutes les compétitions qui se déroulent des fois en même temps. Ouais, carrément, parce que donc FIS, pour ceux qui connaissent pas, c'est Festival International de Sport Extrême, ou Exactement, j'ai c'est raté un ça. truc? Ouais, c'est bon. Non, c'est ça. Non, je préfère m'assurer de ça pour que ceux qui se lancent dans cette recherche-là, tombent sur le bon, FISE. Bien sûr. Alexis me demande, est-ce que tu fais des photographies paysages sportifs, comme par exemple pour de l'UCPA? Non, j'ai eu une expérience à faire quelques photos pour une station de ski, mais c'était plus pour l'école de ski internationale. J'ai fait 4-5 photos. C'était au départ quand j'étais encore étudiant. Je suis allé en ski. On m'a proposé de faire quelques clichés. J'en ai fait, mais on va dire que je reste quand même beaucoup sur de l'événementiel. Et la photo de paysage sportif, c'est plus côté personnel ou pour des magazines. Bah, par ailleurs, le FISE Up, qui est un magazine qui est lié au FISE, où j'ai eu l'opportunité de faire quelques images avec eux aussi, et des reportages. Bah, Et c'est vas-y, comme ça que j'arrive au paysage avec le sport. vas-y, emmène-nous là alors, parce que je pense que ça va permettre de voyager un Euh, peu. exactement. Bah, là, on va pouvoir prendre la première image. Ça, c'est justement une image que j'ai pu faire grâce au voyage que je fais avec le FISE, donc en Chine à Chengdu. Donc, avec mon collègue Armand, qui fait partie de The Agency, on est parti avec un rider qui s'appelle Dennis Henderson, qui est l'un des riders les plus connus dans le monde du BMX. Et on a trouvé cette structure qui était vraiment graphiquement intéressante, surtout dans le travail que je fais dans le paysage où j'aime vraiment jouer sur le graphisme de l'espace, sur le côté minimaliste. Et après, on laisse l'athlète performer et on essaie de créer une image autour de ça. Oh, c'est cool ça. Après, qu'est-ce que j'aurais comme exemple par rapport au FISUP? Ça, c'est un très bon exemple. En fait, donc le magazine FISUP avait besoin d'images d'athlètes de parcours. Donc, on a eu l'opportunité d'aller faire un FIS en Arabie Saoudite. Et donc, je suis parti avec 2 athlètes de parcours et pour réaliser des clichés. Donc, on a trouvé des spots comme celui-là qui était dans un palais pas abandonné, mais à moitié. Et du coup, Sympa, ça. j'ai vraiment voulu travailler sur un côté graphique minimaliste et vraiment mettre en avant l'athlète qui performe. C'est super. C'est assez magique d'avoir ce genre de lieu à disposition. C'est ça. C'est Et des. c'est D'ailleurs, c'est la. Alors, je suppose que pour la prise de vue, c'est brut dans l'état. Est-ce que ça représente derrière pour toi beaucoup de clean, beaucoup de retouches, ou c'est finalement pas le lieu s'y prête pas vraiment, ouais, parce que déjà mon travail photographique, je le prends plus pour un aspect documentaire. Donc j'essaie vraiment de me coller à la réalité et les imperfections pour moi font partie du lieu. Si vraiment il y a quelque chose qui va attirer l'attention plus que le sportif ou le performeur, je vais peut-être là amener à passer le fichier sur Photoshop et à l'enlever. Mais généralement, je reste quand même identique à la scène et j'essaie vraiment de par la lumière, parce qu'on a choisi cette heure-là pour aller shooter, ou par des choses comme ça, à montrer le lieu comme il est, à l'embellir, et avec ce sportif qui performe dans ce lieu. Oh, c'est cool. Ouais, ça marche bien là. Du coup, donc là, tu nous emmènes où? On est à quel endroit là? Là, on est au Japon, à Ouais. Hiroshima. Donc, Ok. en fait, le fils, pareil, fait une étape à Hiroshima. Donc, je suis parti encore de nouveau avec mon collègue Armand. On est parti faire des photos avec Mathias Dandois,
qui est l'un des meilleurs Français au monde en BMX Flatland. Donc le BMX Flatland, c'est du BMX, mais sur une surface plate, où là, le sportif va performer sur son vélo en faisant des tricks comme celui-là qu'on peut voir. Et du coup, on a trouvé ce lieu qui était super graphique. On est tombé enfin, pile à la bonne heure. Et du coup, on a eu le temps de faire une image. Et ensuite, la sécurité nous a demandé de partir. Donc, c'était parfait. C'est pas mal. Est-ce que justement, bah ouais, là, il y avait du parcours, il y a du lieu public, etc. Est-ce que c'est beaucoup de photos comme ça qui sont prises sur l'instant, en mode limite, et après il faut partir? Ou est-ce que tu arrives à avoir des spots où tu es tranquille, où tu peux faire les shoots que tu veux? Ça dépend vraiment des endroits où on est. Par exemple, en Chine, on a rarement eu des problèmes avec la sécurité parce que les Chinois, ils ont un rapport avec tout ce qui est sport comme le BMX où ils en voient très peu et ils sont très curieux. Donc, on va plus avoir des gens qui vont être intéressés par la chose et qui vont justement être là en tant que spectateurs, plus que des gens de la sécurité qui vont. Bon, après, si on va bien sûr dans un monument. Où on peut abîmer le monument, là ça va être un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Et par exemple pour la photo juste avant de parcours, on a eu l'occasion en fait de rencontrer le. On a demandé au gardien et c'est lui qui nous a fait la visite et qui nous a autorisé à faire les images. Il a dit par contre si vous blessez c'est pas mon problème. Donc on a essayé de faire attention quand même. C'est Moi ça. j'ai essayé de pas mettre en danger les athlètes en leur demandant de faire ce qui était possible sans prendre de danger. C'est Mais ça. voilà, on arrive à une image qui est Qui belle est et qui illustre bien le sport. ouais, qui est assez grandiose là-dessus en termes de vide autour, en termes de couleurs, de lumière aussi. C'est vraiment cool ça. Ça marche très bien. J'ai une question de Arnaud qui nous demande, est-ce que Mathieu shoote en rafale? Non, pas du tout. Déjà d'un, parce que j'ai un D800, donc ça serait un peu compliqué de faire de la rafale. Non, et de deux, tout simplement parce que la plupart des sports que je vais shooter, je les étudie ou je les pratique. Et du coup, à force d'entraînement, on va dire que on sait à quel moment il faut shooter. Le maximum, si vraiment c'est un trick ou une figure assez compliquée, je vais peut-être faire 3 photos d'affilée, mais c'est très rare. Généralement, j'essaie vraiment d'attendre le moment ultime, l'extension, et d'arriver à l'immortaliser en une prise. Et c'est ça aussi qui me fait plaisir, c'est d'arriver à cette performance photographique et de le capturer au bon moment. Ouais, c'est ça qui doit pas être simple, parce que effectivement, quand t'es sur un, j'irais sur les tricks BMX que t'avais montré au départ, là, pardon, pas au départ, mais sur le Hiroshima, il est posé, il y a une attente, le point c'est de l'équilibre, à la limite, du coup, ça c'est pas facile, mais ça reste, enfin, t'as un temps de déclenchement où t'es plus tranquille. Par contre, quand il est en train de sauter sur le parcours, là, t'es obligé d'être à l'instant, quoi, il me C'est semble. ça, surtout que je les voyais pas partir, donc j'avais quelqu'un qui me disait Top. OK, il part, et après fallait que je shoote au bon moment, donc c'était vraiment de l'anticipation aussi, et se dire OK, à ce moment-là, ça va être le moment où ça va être le mieux, donc il faut shooter. Bon, après ça c'est déjà arrivé où bien sûr les échecs, mais l'avantage avec des sportifs comme ça. Ils sont vraiment très gentils et ils referont avec grand plaisir n'importe quel trick pour toi. Ouais, alors tu dis ils sont très gentils, c'est peut-être aussi ils sont hyper professionnels, et que Bien c'est pas sûr. juste de l'entraînement, ou c'est pas juste du test, quoi, donc. Ah oui, bien sûr. De toute manière, la plupart des sportifs que j'ai eu enfin, avec qui j'ai eu l'opportunité de travailler, ça reste des très grands sportifs et ils ont l'habitude. Et ils apprécient aussi d'avoir des très belles images pour communiquer. Donc ça, c'est, on va dire, c'est un accord commun qui nous permet de sortir une très belle image au final. Carrément. C'est assez impressionnant là-dedans. Je vois qu'Alex renvoie les gens sur la page Behance. N'hésitez pas, hein, ouais, si vous voulez que je vous lise dans les temps, ce sera sur Behance.
Alors après, Allez, où est-ce que tu pour nous revenir emmènes? à la Chine, tu Ouais. vois, je te disais tout à l'heure, on peut très bien voir les travailleurs, même des piétons qui se sont arrêtés pour voir le rider performer, parce que pour eux c'est tout nouveau, c'est quelque chose de ouais vraiment d'impressionnant. Et à la fin, généralement, ils viennent voir qu'est-ce que c'est comme vélo, des choses comme ça, parce qu'ils en ont pas forcément beaucoup, voire très très peu là-bas. Et du coup, cette photo, je l'ai faite avec Alex Jumelin, qui est d'ailleurs l'un des riders de BMX Flat qui a fait toutes les éditions du FIS. Donc oui, il a pas mal d'expérience et c'est toujours un plaisir de pouvoir faire des images avec lui. Et voilà. Et franchement, ce lieu était vraiment impressionnant parce que justement, on avait cette peur de gêner. Mais en même temps, la curiosité, même de la sécurité, ils étaient plus là pour regarder le spectacle que nous embêter. J'ai une petite question de Greg qui est tombée entre-temps, du coup vu que tu as cité ton D800. Greg Butet nous demande, mais comment Mathieu gère-t-il son autofocus sur le D800? On va dire que les premières années, l'autofocus suivait très bien, parce que j'avais des optiques aussi qui me le permettaient. Maintenant, il a quelques années quand même, je crois qu'il a bien 8 ans. Et du coup, ce que je fais généralement, vu que je sais vers où va être l'athlète et ce que je veux, enfin, ce que je vais vouloir. Enfin, ce que je vais vouloir focus, en fait, je fais mon pré-focus et ensuite j'ai plus à m'occuper de cette partie-là. Je m'occupe vraiment du trick et du moment où je veux l'avoir. Ça me fait penser, on avait fait une session, alors ça remonte à 2-3 ans au moins, avec Little Chao, qui lui est sur la partie danse, mais qui du coup aussi enfin, tourne dans les mêmes milieux, sport, danse, etc. Et c'est pareil, c'est de la photo volée, c'est de la photo sur l'instant. Ça peut vous. Ça peut, si jamais il y a des fans justement de sport urbain, il peut y avoir des trucs à aller piocher là-bas. Ah oui, totalement. Little Chao, bah ça c'est une photo que j'ai faite avec des danseurs montpelliérains. Mais clairement, Little Chao, ça fait des années que je le suis et c'est une inspiration parce qu'il est vraiment passionné par son sport. Il l'a pratiqué, C'est ça, donc ça se voit que c'est à lui. Et c'est beau de voir le rapport qu'il a avec les athlètes parce que il n'est pas que photographe, il les connaît tous et ça se ressent aussi dans ses images, je trouve. Ouais, carrément. Moi, je sais que c'est un des points qu'on avait évoqué. Du coup, je me permets ce parallèle avec toi, hein, sur le fait que toi, avant tout, t'es rider aussi. Ouais, j'ai commencé. Bah, à la base, le ride, je l'ai commencé plus sur la planche de snowboard. Ensuite, quand je suis allé aux États-Unis, je me suis mis au skate et dès que je suis rentré, donc là il y a 5 ans, j'ai touché le BMX et je me suis mis au BMX Flatland. Donc c'est pour ça aussi que, à force des années de pratique, j'ai appris, même si je suis très loin du niveau des athlètes que je prends en photo, mais j'ai appris à comprendre les mouvements, à les étudier. Et c'est pour ça que j'ai aussi peut-être cette facilité pour prendre le bon moment. Carrément. Ouais, de toute façon, oui, je suppose que c'est réussir à trouver le mot, réussir à trouver ce moment, ouais, c'est de l'entraînement, c'est de l'habitude, c'est là. Est-ce que tu sur certaines des photos, est-ce que vous faites des répétitions d'ailleurs? C'est-à-dire où tu les fais refaire une fois, deux fois les étapes ou... Pas vraiment, on va dire. Par exemple, sur cette image-là, c'est un très bon exemple. C'est très compliqué de pouvoir monter sur ce rail et de pas se faire mal entre guillemets. Puisque, bon, après, c'est un professionnel en BMX, donc forcément, il a l'expérience pour. Mais c'est plutôt, je vais faire mon cadrage au départ. Je vais me dire, ok, à cet endroit-là, l'image me plaît, la composition m'intéresse. Et il n'y a plus qu'à laisser performer l'athlète et à espérer qu'on réussisse à faire le bon shot. Mais généralement, non, c'est très peu de mise en scène, entre guillemets. Ça va être plus du repérage et ensuite laisser l'artiste. C'est vrai, c'est pas loin de l'artiste de toute manière. Ouais, il y a un peu ça dans les performeurs sportifs.
Exactement. Surtout dans le BMX flatland qui se rapproche, justement, je le rapproche vachement à la danse, mais de la danse sur vélo, et c'est vrai que c'est de la performance, donc on peut rapprocher ça à l'artistique, bien évidemment. Carrément. Carrément, carrément. Ouais, c'est cool ça. Du coup, après, si tu veux, on peut partir sur la partie événementielle, donc je reviens là. Ouais. Tiens, avant l'événementiel, Bien sûr. éventuellement, petite question que j'ai vu passer d'Arnaud du côté YouTube. Tu arrives à anticiper les mouvements des personnes sportifs. Est-ce que tu changes souvent d'emplacement pour faire les photos ou est-ce que tu changes souvent de focale? Quel type de Ouais, photographe tu es? ce que j'aime bien, c'est plutôt varier les focales pour pour pas me lasser aussi de. Par exemple, je shoote beaucoup au 70-200 de chez Nikon parce que il y a eu une période où j'avais que malheureusement que cette optique. J'ai mon 24-70 qui m'avait lâché. J'avais pas de grand angle, donc j'ai fait énormément d'images avec. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on reste dans le même type d'image entre guillemets, mais donc c'est bien de varier les optiques, je trouve, pour pouvoir aussi soi-même se poser des questions sur son travail et essayer de trouver des nouvelles choses, des nouveaux angles. Donc c'est vraiment intéressant de changer d'optique, je trouve. D'accord, ouais. Merci pour la petite précision. C'est l'intérêt des sessions interactives avec du public, c'est que le Ah, bien public sûr. guide la session. Alors, du coup, pour la partie événementielle, en fait, donc il y a la partie sportive, donc performance du sportif, comme cette image qui illustre bien la chose, où là, on va avoir le sportif qui fait un gros trick, et derrière la foule. Mais il y a également le côté humain, le côté émotion que j'ai. Avec The Agency, on a essayé d'apporter ça, enfin. Parce qu'on était là-dedans et parce qu'on adore le sport, mais on aime bien tout ce qui fait le sport, pas que l'action. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de partage, et ça, on a voulu le montrer dans les photos qu'on fait au FIS, et c'est vrai que cette photo le montre bien. C'est quand il a gagné le FIS Montpellier, donc l'émotion était là et ça aurait été dommage de pas le shooter et de pouvoir mettre ça en avant, je trouve. Donc ça va, donc c'est une. Je me suis posé la question en fait, si c'était une émotion d'avoir gagné ou une émotion de s'être vautré et arraché un genou. Non, généralement, c'est quelque chose que j'ai du mal à prendre en photo, les blessures. Parce que c'est toujours un moment difficile, pas seulement pour l'athlète, mais de le revivre par la suite, j'ai du mal. Donc c'est des choses où je vais plus. Moi, je vais essayer de montrer le côté joyeux, le côté Positif. humain, positif du sport, plus que le côté négatif et les blessures. Super. Bon esprit. Donc ça, c'est une image qui a été faite à Montpellier, qui a clairement le plus gros public, le plus gros public sur le FIS World. Donc pareil, le flat, c'était la finale. Et du coup, ce rider japonais, qui est clairement un showman, et du coup, il mettait tellement l'ambiance que cette image marche vraiment bien avec cet esprit du FIS de Montpellier, où on voit plus de 500 000 personnes qui viennent pour voir le spectacle sur les rives du Lez. Donc c'est vraiment, je trouve que cette image marche vraiment bien. Ouais, carrément. Carrément, carrément. J'ai toujours Arnaud sur le chat. Oui. Est-ce que tu fais aussi de la vidéo sur ces événements? Et si oui, comment est-ce que tu gères le temps entre vidéo et photo? Alors, je fais pas de vidéo sur les événements parce que la vidéo, je m'y suis mis vraiment il y a 3 ans. Je fais des vidéos plus sur des projets, soit des projets perso, soit des commandes. Par exemple, en BMX, j'ai eu une commande il y a pas longtemps pour la marque Unicorn. Qui est une marque de textile qui a justement une équipe, enfin une équipe.
Oui, une équipe de BMX, de rider BMX. Et du coup, on est parti au Maroc faire une vidéo juste avant le confinement. Donc, on a eu beaucoup de chance. Et ça va être plus le travail que je vais faire au niveau vidéo et l'événementiel, j'y ai pas encore touché. On a suffisamment à faire au niveau photo pour pouvoir faire les deux. Au moins ça, de toute façon. Ouais. Ah, puis le fils a une équipe vidéo qui est très 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 performante. Ça fait au moins 10-15 ans qu'ils ont commencé. Enfin, ils ont commencé à bosser au moins il y a 10-15 ans avec le fils. Et c'est vrai que on voit vraiment le niveau. Et je sais que je suis clairement pas à ce niveau-là, en tout cas pour l'instant. Alors quand tu dis pas pour l'instant, est-ce que alors comment on s'améliore dans ces cas-là? Bah justement, c'est pas. Enfin, je le prends comme ça. Moi, la vidéo, je le prends comme quelque chose que j'essaie d'apprendre tous les jours par des projets perso, surtout par des projets perso et par des projets professionnels comme le road trip que j'ai filmé seul. Et j'essaie vraiment de m'améliorer techniquement, surtout dans le montage, parce que dans les prises de vue. Je me rapporte vachement à la photo, donc je fais des prises de vue qui sont moins tournées, comme quelqu'un qui va être spécialisé dans la vidéo depuis le départ. Moi, j'utilise mon expérience dans la photo et j'essaie de mélanger un petit peu tout, d'apprendre de nouvelles techniques, d'essayer de nouvelles choses et peut-être que par la suite, en ayant un bagage un peu plus gros, pouvoir bosser sur de l'événementiel en vidéo aussi. Ouais, carrément. De toute façon, je pense qu'il y a, enfin, ça fait partie un petit peu des points, pouvoir bosser en parallèle, enfin, faire le boulot, s'améliorer, développer des nouveaux champs de compétences. Donc Arnaud qui nous posait la question tout à l'heure nous dit merci. Perso, lui, il fait de la photo en tant qu'amateur passionné, surtout lorsqu'il voyage. Et comme il dit, c'est pas facile de créer du contenu en photo et en vidéo ensemble, de toute façon. Donc je pense que C'est c'est très le compliqué. Ben, généralement, l'opportunité qu'on a quand on voyage avec le FIS, mieux. je reviens encore à mon collègue Armand, mais du coup, on aime bien se partager la tâche. Donc, en gros, il y en a un qui va faire de la vidéo, l'autre va faire de la photo, ce qui nous permet de faire du contenu et on va inverser les choses, puisque tous les deux, à la base, on est photographe et on s'est mis à la vidéo par la suite. Donc, on a cette même vision et ça nous permet de sortir des petits contenus vidéo et du coup par la suite de s'améliorer l'un et de s'aider l'un et l'autre pour aller plus loin et pour faire de nouveaux contenus. Donc c'était cool. Ouais, et du coup, quand vous, enfin, vous avez l'air d'être tout le temps, enfin, de bosser ensemble sur la partie The Agency, comment vous travaillez le regard critique de l'un par rapport à l'autre, par rapport au boulot, aux événements, vu que vous êtes, enfin, quand vous êtes sur les mêmes événements, les mêmes lieux? Ben, ce qu'on fait, c'est que généralement, on fait chacun notre post-production. Généralement, justement, je voulais en venir à ce point. On utilise Lightroom parce qu'on a un gros débit de photos et c'est vrai que ça reste un logiciel qui nous permet de faire des retouches rapides, même préparer en amont les quelques settings qu'on va vouloir utiliser et ensuite l'appliquer sur toutes nos images et pouvoir sortir un débit d'image assez conséquent chaque jour, voire après chaque compétition. Parce que notre point fort, enfin, je trouve ce qui fait notre force, c'est qu'on essaie de travailler rapidement et bien sûr de qualité, mais on essaie de sortir les photos directement après chaque compétition. Donc c'est un travail qui demande de l'organisation. Et aussi pas de se limiter, mais on va dire de choisir ses images et peut-être faire un peu moins d'images que prévu, Ouais. d'être plus sélectif, c'est ça que je veux C'est dire. ça. Mais du coup d'être efficace après sur la post-production et sortir de l'image. Et ce qu'on fait, c'est qu'à la fin de la journée, généralement, on se sort un best-of des meilleures photos et là, on en discute. Et voilà, et on voit le regard de l'un ou de l'autre. On a aussi notre collègue Hugo qui, à la base, lui fait du studio et qu'on a petit à petit Vous l'avez mis à amené l'extérieur? à l'extérieur et à l'événementiel.
et qui fait un travail formidable maintenant. C'était cool de pouvoir échanger tous les trois sur notre travail. Et généralement, c'est souvent, même après les événements, où on est là et on se pose des questions en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qu'est-ce qui nous manque? Et on essaie de s'améliorer et de chercher de nouvelles idées aussi. D'accord. Ouais, carrément. Carrément. Donc oui, ça représente combien de personnes, Diagency? Alors, The Agency, actuellement, on est donc quatre photographes, dont Armand et moi-même qui sommes photographes vidéastes. Donc, on a Armand, Hugo et Matt. Et moi-même. Et ensuite, on a Cédrine qui est plus sur de la partie vidéo, réal. Et voilà. Et on a fait le tour pour l'instant. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est cool. Ça fait déjà pas mal de monde sur le même sur le même terrain. Exactement. Non, et puis c'est cool parce que comme je disais, le principe du collectif The Agency, c'est vraiment, on a chacun nos spécialité ou nos talents et on va essayer de proposer un client la personne qui lui correspond le mieux et entre nous on s'entraide énormément, on cherche des projets, on se les partage et c'est vraiment sortir de ce côté individualiste de la faute des photographes en général qui malheureusement des fois perdent ce côté relationnel qui pourrait être intéressant et qui pourrait les aider à évoluer aussi. D'accord. Ouais, carrément. Arnaud nous dit, ouais, c'est cool lorsqu'on peut être plusieurs, chacun peut faire autre chose. Ouais, autre chose, ou en tout cas focus sur le contenu, ouais, parce que je suppose que c'est important aussi pour vous de savoir exactement où vous vous retrouvez, de savoir qui fait quoi. Tu disais au départ, hein, l'un Bien fait la sûr. photo, l'autre fait la vidéo. Hein. Ouais, bah après sur de l'événementiel, donc on est tous en photo, mais ce qui est notre, enfin ce que je trouve qui représente notre force, c'est on sait ce que les autres vont faire, on sait que ça va être professionnel, que l'autre va travailler rapidement. On essaie d'être tous dans le même état d'esprit pour pouvoir en fait vraiment répondre aux clients et qui y voient quasiment une même personne en fait qui travaille. Et du coup, c'est comme ça qu'on crée aussi, je pense, on crée Une une confiance? image, ouais, voilà, de la confiance, une symbiose avec le client. Et c'est comme ça qu'on a pu s'agrandir. Et cette année, on a eu l'opportunité de bosser avec l'Union Cycliste Internationale D'accord. grâce au FISE. Et on espère pouvoir continuer avec eux. On attend que le Covid malheureusement passe parce que c'est vrai que l'événementiel est vraiment touché. Mais voilà, c'est des nouvelles opportunités et on essaie de faire de notre mieux pour vraiment répondre aux clients et nous se poser des questions pour s'améliorer et pour être pas les meilleurs, mais en tout cas d'essayer d'être les meilleurs. D'avoir une marque de fabrique, d'avoir Exactement. une identité sur ça. Alors justement, tu parles des marques, donc qui sont beaucoup les sponsors des gros événements. Est-ce que c'est des trucs que vous avez fait en parallèle ou à côté de ça, c'est-à-dire de shooter spécifiquement pour des marques, pour de la pub, pour du branding, en dehors de l'événement en tant que tel? Alors, par rapport aux marques, nous on reste sur des marques sportives, Bien mais sûr. on est hors pour l'instant on est hors BMX. À part Unicorn que j'ai cité plus tôt, où on fait les vidéos et on a même fait quelques photos sur un road trip qui a été fait avant. Mais les autres marques avec lesquelles on travaille, elles sont liées au sport, mais pas au milieu du BMX. On les a eus parce qu'on a démarré à travailler pour une marque qui s'appelle Hungaria, qui est une marque de vêtements sportifs, d'équipements sportifs pour les clubs de rugby comme Toulon, La Rochelle. Et on a commencé à travailler avec eux. Par la suite, ils ont été intégrés dans un groupe qui s'appelle le groupe Royer. Et maintenant, on a eu l'opportunité de travailler avec Umbro.
Et voilà, on espère trouver d'autres marques qui nous feront confiance dans ce milieu-là. Mais petit à petit, on avance et on essaie de se faire reconnaître par notre travail. Donc voilà. Ah, super. Très très cool. Il y a Olivier qui me pose la question sur Behance. Merci Olivier. Est-ce que tu changes beaucoup ta colorimétrie selon l'ambiance que tu souhaites, comme ça se fait souvent en street photo, ou est-ce qu'au contraire tu restes plutôt proche de la colo originale? Ouais, je reste proche de la colo originale. En fait, je trouve que chaque endroit, chaque pays a sa propre teinte sur une étape comme celle-ci, qui est en Arabie Saoudite. On est sur des teintes plus chaudes, alors que sur une étape japonaise, on est plus sur quelque chose de froid. Donc j'essaie de vraiment de me coller à la réalité, et je pense que ça se rapproche pas mal de mon travail en paysage. Et c'est pour ça que sur mes images d'événements sportifs, ouais, j'ai pris ce, enfin, je suis sur ce parti pris de rester le plus neutre possible et correspondre à l'ambiance générale. Ouais, carrément. Du coup, ça permet d'avoir certes une cohérence dans les cadrages, dans les images, mais du coup une vraie identité plutôt du lieu que du photographe sur. C'est ça. Ouais. Après, je connais pas mal de photographes qui ont leur traitement et qui font leur identité. C'est quelque chose qui m'attire moins. Après, je respecte totalement le choix, mais je préfère. Enfin, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense vraiment c'est mon côté photographe de paysage qui me donne envie de rester le plus proche de la réalité. D'accord, alors justement, puisqu'on tu me tends une perche sur les paysages, donc t'as toute une section sur ton portfolio sur laquelle tu t'attardes sur les paysages et pour lesquels il n'y a pas de mec en BMX dessus. Non, alors ouais, exactement. En fait, j'ai eu l'opportunité donc de vivre un an aux États-Unis, ce qui m'a permis de prendre du temps, de faire des projets. J'ai pu visiter beaucoup de parcs nationaux en Californie, Colorado, en Utah. J'ai fait beaucoup de parcs nationaux et du coup j'ai eu l'opportunité de documenter tous les parcs que j'ai pu faire. Et c'est vrai que c'est beau de pouvoir prendre des choses comme ça. C'est tellement impressionnant que j'en perds les mots, je sais même plus quoi dire. Alors, Mais si tu veux, je te guide, hein. J'ai vu que vas-y. quand tu avais démarré, donc enfin, si on va tout en haut de ton site, en haut à gauche, déjà t'as sur le store, tu vends des tirages sur Yosemite en Californie et sur Monument Valley en Arizona, c'est ça, hein. Alors, c'est des tirages ou c'est Ça. des livres? Non, c'est des tirages. Je suis justement en train De mettre à jour la boutique. malheureusement, de mettre à jour la boutique, parce qu'avec le Covid, j'ai dû trouver des solutions alternatives pour l'instant. Et je me suis dit, quoi de mieux que d'essayer de mettre en avant ma partie paysage et d'essayer d'avancer là-dessus et de trouver d'autres solutions de sources de revenus. D'accord. Et du coup, ouais, et donc c'est les plus emblématiques selon toi. et après, tout le reste, on retrouve dans American Landscapes les différents C'est lieux, les ça. différentes étapes, Exactement. les différents moments. Donc ça, c'est sur une période de d'un an à peu près. C'est ça. Sur une période d'un an, j'ai eu l'opportunité de faire deux road trips de 2 semaines au total. Et sur 2 semaines, j'ai réussi à sortir. Là, il n'y a pas tout, mais j'ai sorti beaucoup, beaucoup d'images. Ouais, carrément, il y a des lieux qui sont assez iconiques là-dedans. Il y a des forêts qui ont cramé d'ailleurs depuis 5 ans. Malheureusement, ouais. Ils ont un peu enchaîné sécheresse et incendie les dernières années.
Ouais, malheureusement, ouais. C'est en dehors des deux qu'on avait regardé tout à l'heure dans le store, laquelle de ces images serait un peu pour toi une image fétiche ou une image spéciale là-dedans? Est-ce que tu as un lieu où t'as été encore plus scotché que d'habitude? J'aime bien celle-ci de Death Valley parce que bah, avec les deux personnages, les deux personnes qui sont en bas de l'image, on voit clairement l'immensité, enfin, le côté immense du paysage et c'est ça les États-Unis. Pour moi, c'est en prendre plein les yeux, c'est rêver et essayer de retranscrire ça en image. Clairement, ouais, c'est ça. Pouvoir mettre une question d'échelle sur le Exactement. lieu. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a une vache au milieu de Monument Valley. Oui, et parce que j'ai eu la chance de tomber sur une vache. Qui était perdue et égarée, elle avait abandonné son troupeau. Ouais, j'étais très étonné de trouver cette vache au milieu de Monument Valley et je me suis dit, bon, je pense pas que tous les jours je pourrais photographier une vache à cet endroit-là. Et donc j'ai essayé d'être le plus discret possible pour pas l'effrayer non plus et d'essayer d'immortaliser la chose. C'est clair. Alors Daniel nous dit c'est top d'être aventurier, de découvrir des pays et d'autres cultures, beau travail. Alors Olivier tout à l'heure nous avait aussi Merci. dit beau boulot pour l'ensemble. Il y en a une qui Merci. m'amuse un petit peu, c'est cette fenêtre, hein, trois images après la grande Ah dent. oui. Ouais, C'est le qu'est-ce qui Grand s'y passe? Canyon. Donc en fait, dans le Grand Canyon, il y a plusieurs endroits où on peut observer ces points de vue qui montrent l'immensité. Et j'ai eu l'opportunité de rentrer dans un bâtiment et de voir cette fenêtre. Et je trouvais que l'enfermer dans un cadre, malgré la grandeur, ça le rend justement beaucoup plus petit, alors qu'en vrai, c'est immense. Donc ça m'a tellement interpellé que j'étais obligé de créer cette image-là. Est-ce que tu t'es amusé à faire la même 1,50 m devant, c'est-à-dire sans le cadre? Je n'y ai pas pensé, mais c'est par la suite, quand j'ai revu l'image, je me suis dit, je regrette de ne pas avoir fait la chose. Va La même taille. falloir Ouais, faut il y va falloir que j'y retourner. retourne. Alors, du coup, j'enchaîne sur une question d'Arnaud qui me dit, petite question, pour classer tes photos d'événements, est-ce que tu essayes de le faire les jours qui suivent pour avoir encore tout en tête ou plus tard? Et est-ce que tu mets beaucoup de temps à classer? Non, je fais direct, je peux montrer. Voilà, ça c'est le FISE. Non, ça c'est l'événement UCI qu'on a fait avec The Agency en Chine. C'est rangé jour par jour, les bruts et les JPEG. Et ensuite, on a les catégories. Donc chaque catégorie est rangé. Bon, là, il n'y a que des basses définitions parce que sur cet événement-là, on devait envoyer du flux et mettre les images directement sur le site. Mais la plupart du temps, on sort des images HD, des images basses définition. Et par exemple, pour le FISE, en prenant Chengdu, on va avoir ce système de JPEG, la catégorie, ensuite. Ensuite, on arrive sur des images HD, basse def, et je fais ça tous les jours, et ouais, vraiment par jour, et je fais ça quasiment à la suite des compétitions si ça s'enchaîne pas trop. Ouais, et du coup, est-ce que toi, tu récupères par exemple de l'orga, la liste des riders, des sportifs, etc., pour pouvoir plus facilement trier, pour être sûr d'avoir au moins une de chaque ou... Alors en fait, on a un briefing photo. Nous indique donc les choses à prendre en photo. Donc, alors comment je peux dire on va avoir une liste en fait qui vont nous spécifier donc par rapport aux sponsors bien évidemment en avant parce que forcément des événements comme ceux-là ils sont tellement grands il faut mettre en avant les sponsors qui permettent d'avoir de si beaux événements et surtout le FISE qui est gratuit. Et ensuite, nous, on fonctionne sur, on sait qu'on doit faire un portrait et une photo en action, tout simplement pour pouvoir illustrer le rider si par la suite
Ils ont le fils a besoin de parler d'eux sur des articles ou sur des choses comme ça. Et ensuite, on a notre calendrier. Et du coup, on se dit, eh bien, telle compétition c'est pour toi, telle compétition c'est pour toi. Et c'est comme ça qu'on se divise notre journée. Et voilà. Ouais, On est parce que rarement deux sur une compétition, on va ouais, dire. c'est ça, les compétitions ont lieu en parallèle à des endroits différents, sur des. C'est ça, à part certains gros moments où on peut être deux sur des finales ou des demi-finales. Parfois, on arrive quand même à être deux ou trois sur la même compétition. D'accord. Carrément. Bah, écoute, merci en tout cas pour la réponse. Arnaud trouve ça très intéressant. Donc c'est voilà, je pense que Arnaud est très content. Bah avec plaisir. Donc ouais, du paysage. Alors est-ce qu'on retourne au paysage ou est-ce qu'on reste sur le sport? Hop. Bah, on peut partir sur le paysage. Deuxième Ayant grosse série. habité un an à côté San Francisco, à Marin County, j'avais l'opportunité d'aller pas tous les jours, mais très très très, très souvent aux alentours du Golden Gate Bridge de San Francisco, qui est quand même emblématique et qui offre énormément de possibilités. D'un, parce que il y a toujours enfin, on va dire qu'il y a une base, c'est généralement le pont avec de la brume. Parce que là-bas, c'est très brumeux le matin. Sauf que tout le temps, j'ai toujours été étonné de la façon et du temps, enfin, pas du temps, mais de la météo qu'il pouvait y avoir autour de ce pont. Et on arrive toujours à trouver des choses différentes et à le prendre en photo de manière différente. Donc j'ai vraiment travaillé autour de ça en essayant de faire des choses similaires dans le traitement, mais différentes dans les cadrages. Là, je suis parti sur quelque chose de plus minimaliste, vraiment travailler sur la couleur. Parce qu'en fait, aux États-Unis, je suis devenu amoureux de la couleur, parce qu'avant, je faisais énormément de noir et blanc, et les couleurs aux États-Unis sont tellement magiques que je pouvais pas passer à côté de ça. Carrément. Carrément. Et du coup, comme tu dis, tu es du côté Marin County, donc de l'autre côté du pont. Est-ce que Ouais. t'as compté si tu faisais plus de photos côté Marin County vers San Francisco ou de l'autre côté? Plus côté Marin County. Bah, du fait d'avoir l'accès direct, en fait, j'habitais à 10 minutes du pont de San Francisco. Donc, forcément, ça permet d'y aller quand on veut, de prendre le temps de faire les choses. Et c'est sûr que de ce côté-là, j'en ai fait beaucoup. Et d'ailleurs, pour avoir vu de l'autre côté, il y a certains endroits que je ne connaissais pas du tout et qui me donnent envie d'y retourner justement pour essayer de faire de nouvelles choses. Ouais, carrément. Donc la vue vers le Presidio. C'est cool ça. Ouais, c'est effectivement sur la série San Francisco, sur les 8 images que t'as postées, il y en a que deux qui prennent de la couleur. Du coup, c'est ce moment-là qui t'a déclenché où tu t'es dit, tiens, plutôt couleur que noir et blanc. C'est ça. C'est vrai que bah, on le voit plus justement sur American Landscape où là j'ai travaillé énormément sur la couleur. Il y a très peu de noir et blanc. Genre, il y en a deux. Là, j'ai choisi sur le Golden Gate Bridge de faire beaucoup de noir et blanc par rapport à l'ambiance, ce côté brumeux et voilà. Mais c'est vrai que c'est cet élément déclencheur des États-Unis qui m'a poussé à vraiment travailler ma couleur et à chercher ouais chercher quelque chose qui était différent de ce que je pouvais faire avant. Et du coup, ça s'est ressenti l'influence justement de tes recherches sur la partie paysage, sur la partie road trip. Ça s'est ressenti derrière dès que t'es en événement. Je vois aussi, t'as une petite catégorie qui s'appelle analogue. Ouais. Dis-moi un peu plus. Bah pareil, aux États-Unis, ça faisait très très longtemps parce que mon père a shooté énormément
de pellicule. Il a fait beaucoup de photos et il m'a toujours dit qu'il fallait que je m'y mette. Et à l'école, je l'ai appris, j'en ai fait un petit peu, mais j'avais jamais trouvé ce moment ou l'endroit qui m'inspirait pour faire plus d'argentique. Et les États-Unis et la couleur que je pouvais obtenir avec des films, ça a rien à voir et ça m'a donné envie de faire beaucoup beaucoup de photos avec l'argentique. Et du coup, maintenant, une préférence ou c'est juste une question de confort de pouvoir shooter en numérique? C'est une question de confort et puis on va dire qu'actuellement avec l'événementiel ce serait compliqué et surtout par rapport à notre volonté de travailler rapidement. On peut pas se permettre de faire de l'argentique. C'est ça. Mais pour des projets personnels, voire professionnels, mais hors événementiel, ouais, carrément. Je pense que je partirais plus sur de l'argentique si possible. D'accord. Sur ça d'ailleurs, toi, enfin, parce que donc tes photos argentiques, ensuite tu les scannes, tu récupères ça. Est-ce que tu as mis en place toi un process spécifique ou enfin, est-ce que tu scannes toi-même tes photos d'ailleurs, tes argentiques? Ouais. Alors quand j'étais aux États-Unis, je les faisais scanner, mais j'étais très déçu de la qualité de scan que je pouvais obtenir. Et récemment, justement, j'ai eu la chance avant le confinement de m'acheter un scanner. Ça m'a permis de faire le tri dans mes négatifs et de scanner un peu tout ça. Et c'est vrai que j'ai retrouvé des choses que j'avais pas, enfin que je me souvenais pas d'avoir shooté, comme cette photo à Hawaï. Où j'avais emmené justement mon argentique et un petit numérique. Et c'est bien de se remettre là-dedans et de voir qu'on a réussi à faire des choses qui rendent bien. C'est cool. Et le côté horodaté de chacune des photos, est-ce que c'est un truc qui te manque? Ou est-ce que justement, tu sais, j'ai vu dans, enfin, je me rappelle, il y a longtemps, sur l'argentique, t'avais la date et l'heure de la prise de vue qui était posée ou parfois qui était surimposée directement à la photo. C'est un truc que tu utilises ou t'as une très bonne mémoire? J'ai une bonne mémoire, en tout cas suffisamment pour me rappeler des endroits ou des images que j'ai fait. Et après, on va dire, j'ai pas assez de quantité pour l'instant être perdu par rapport aux endroits. Et puis j'en ai fait, là, la dernière fois que j'ai touché à mon appareil argentique, c'était justement après le confinement, parce que j'ai commencé à scanner tous mes négatifs et je me suis dit, c'est dommage de s'être arrêté et d'avoir fait une pause de quasiment 5 ans avant d'avoir retouché à mon appareil. Donc voilà. Mais ouais, je pense que l'argentique, c'est important. Surtout quand on travaille en numérique, où on travaille rapidement, ou même par rapport aux réseaux sociaux, où les gens dévorent des images. Là, avec l'argentique, on prend le temps, on réfléchit à son cadrage. C'est ça aussi que j'aime, parce que dans mes paysages, généralement, c'est un gros boulot sur le moment où je vais réfléchir à ce que je veux, comment je veux le cadrer. Et l'argentique correspond totalement à ma démarche en paysage. Ouais, carrément. D'ailleurs, si sur le côté de ton site, tu mets un lien vers l'Instagram où il y a évidemment plus d'images, comment tu fais ce choix entre ce qui va rester Instagram et ce qui va être sur Instagram et ce qui va devenir site et du coup plus de pérennité dessus? On va dire que je mets vraiment les images qui pour moi sont les plus fortes sur mon site, que je les vois pas délaissées, pas délaissées, mais je les vois pas finir seulement sur un réseau, enfin sur des réseaux sociaux comme Instagram ou d'autres. Et c'est plus, j'essaye plus de mettre du contenu que j'ai pris sur le moment, qui me plaît, mais qui, pour moi, ne mérite pas peut-être plus que d'être partagé sur un réseau social comme celui-là.
Bah écoute, c'est super. Merci, merci beaucoup pour tout ça. Et est-ce que dans tes... Du coup, ouais, donc tout ce que tu nous... Tout ce qu'on voit pour l'instant, surtout Instagram, c'est des photos qui sont plutôt du Latergram, comme ils ont appelé ça à une époque. Ouais. Et qui sont en argentique parce que bah du coup cette opportunité que T'as pris le j'ai eue temps de de tout scanner. scanner, j'ai fait bon, autant en profiter pour partager un petit peu. Voilà, bon, il y a un fichier numérique, mais la plupart ça reste de l'argentique. Ça c'est de l'argentique et d'ailleurs ça c'est un projet sur lequel je suis en train de travailler. J'aimerais sortir un bouquin dessus. J'ai là c'est vraiment un projet d'un an où quasiment tous les jours. Enfin, ouais, quasiment tous les jours, j'allais faire des images sur cette série Welcome to America, où j'ai travaillé justement sur l'automobile, qui était quand même à l'époque l'une des plus gros emblèmes américains. Et du coup, j'ai essayé de travailler sur un côté minimaliste, graphique, peut-être avec ma vision européenne. Et voilà, essayer de sortir. Je vais essayer de sortir soit un livre. Ça, c'est ce que je suis en train de faire actuellement, en train d'essayer de le mettre en place, et peut-être une exposition sur ce projet-là. D'accord. Écoute, c'est super. Super, super. Écoute, ça fait plaisir en fait de pouvoir justement voir le rebond, les différentes étapes de travail, les moments, les... Il y a quand même énormément de choses là-dedans. Ouais, puis du coup, ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin que les photos que tu poses sur ton site, parce que quand on si on descend, on va jusque Hiroshima derrière, où là pour le coup, c'est pas une ou deux images, c'est 10, 15 images, c'est 15 lieux, des riders super différents, c'est C'est ça, exactement. Mais après, ce que j'aime dans le sport, c'est le partage qu'on peut avoir avec les athlètes. Et que ça soit dans l'événementiel ou sur les projets qu'on fait à côté, c'est toujours des moments qui retiennent, qui restent dans notre mémoire et qu'on racontera sûrement par la suite, peut-être à mes enfants quand j'en aurai. Au travail, c'est à ça que sert le confinement. Mais écoute, merci, merci beaucoup, Mathieu. Ben merci à toi. S'il y a encore des questions dans le chat, que ce soit sur Adobe Live, hein, où vous êtes quelques-uns, ou sur la session YouTube, vous êtes les bienvenus pour les poser, pendant qu'on a encore quelques minutes. Pour ceux qui sont très motivés, qui sont très timides et qui n'osent pas avoir leurs questions posées en direct, vous savez qu'on peut se retrouver sur Discord. Je sais qu'Alexandre ou Stéphane vont nous mettre le lien vers la page Discord des deux côtés, hein, comme ça on pourra la retrouver, vous pourrez poser vos questions, la conversation continue là-bas, à la fois avec Mathieu pendant quelques minutes, mais surtout avec vous tous et au quotidien. Normalement, tous les liens qui ont été postés jusqu'à présent sont disponibles sur le Discord. Comme ça, vous pourrez retrouver tout le monde, vous pourrez retrouver Mathieu, vous pourrez retrouver The Agency, vous pourrez retrouver un petit peu tout ça, plus les liens des sessions précédentes. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à toi. On se retrouve donc tous demain matin, 10h, où je vous parle de packaging et de dimension. On se retrouve ensuite à 14h pour un direct du canapé avec Stéphane Baril. On va parler d'Adobe XD et des éléments. On va parler des éléments composants. Pardon, je perds mes mots. Et on enchaîne toute la semaine où on a un gros gros planning sur la chaîne YouTube et sur Behance.net, sur le Adobe Live, avec Prisca mercredi. On parlera lettering, mais peut-être un tout petit peu danse, un tout petit peu un petit tout petit peu, pardon, performance photo et vidéo. Je reçois toujours dans le domaine du sport Jean-Baptiste Chandelier qui nous fait des courts-métrages complètement hallucinants. Cette fois-ci, on n'est plus sur le sol, mais on est dans le ciel. On est avec du paraglide, on est en parachute, en trail, et je sais plus quel était le troisième, mais allez regarder un petit peu ce qui est partagé. J'aurai Louis Rigaud vendredi sur la partie graphique, et on terminera la semaine avec Camille Raveau pour de la bande dessinée. Et vous allez en prendre plein les yeux toute cette semaine. On pense beaucoup à vous. Merci à tous et à toutes. Merci encore Mathieu et à très bientôt. Au revoir. Merci à toi.